Bonjour, je suis Pauline Autepin, je voudrais vous lire un extrait de Winterreise d'Elfredi Jelinek, dans une traduction de Sophie Herr, qui est parue en 2015 aux éditions du Seuil. Quand les étrangers se seront devancés eux-mêmes et auront disparu, alors ils nous manqueront. Et ils se manqueront eux-mêmes aussi, car nulle part ça aura été aussi beau que chez nous, ça ils le regretteront. Les étrangers, quand ils auront disparu. Même si le vent leur souffle froid dans le visage, ça aurait été beau. En comparaison avec la disparition, ça aura été plus beau chez nous. L'étranger s'en va pour trouver du calme, et s'en va une autre fois pour trouver de la distraction, comme s'il voulait tout de même encore se perdre au dernier moment. Il part pour trouver le petit chalet à ponches et se perd dans son chemin. Il part pour entamer la descente et se perd dans sa course. Il part pour amorcer plus haut son élan à gauche, et déjà il oscille dans de terribles coudes en descente, où il se perd dans une autre personne avec laquelle il est entré en collision. Pourtant, seul l'autre ne sera plus là. Quand les étrangers viennent sans être appelés, viennent par chance, par chance pour la statistique, quand ils répondent sans être interrogés à des questions qui ne nous seraient jamais passées par l'esprit, alors, ils sont déjà le passé. À peine sont-ils arrivés qu'ils disparaissent de nouveau. Ils viennent donc d'arriver. Mais quand ils étaient là chez nous, alors ils n'avaient pas d'avenir, pas chez nous en tout cas. Alors ils peuvent porter leurs jambes aussi vite qu'ils veulent à leur cou, ils ne parviendront jamais à nos oreilles. Ils auront déjà disparu. Les puinés, qui ne peuvent être au courant de rien, sortent de la lumière qu'ils répandent de leurs lampes de poche. Quitte le faisceau lumineux toujours pour la seule obscurité. Et les étrangers, les morts, qu'on a attirés de l'obscurité de leur enfance et qui n'ont pas eu le droit de garder quoi que ce soit, de rien garder, pas même leurs dentiers, pas même leurs lunettes, pas même leurs cheveux, pas même leurs plombages, pas même leurs bagages, pas même leurs agrès, rien, n'ont eu le droit de rien garder. Ils nous ont devancés dans ce que nous avons maintenant. Et ça nous avance à quoi Peu importe, maintenant ça ne les avance plus à rien, ils nous ont devancés. Seulement maintenant, ils ne voient malheureusement plus ce qu'ils auraient pu tirer de nous. Vraiment désolé qu'ils ne puissent plus voir combien nous et notre paysage nous sommes bien développés. Les arbres bruissent comme s'ils les appelaient. Ils ne les voient plus. D'autres le voient pour eux. D'autres qui ne peuvent être au courant de rien. Ils se rendent importants, les autres. Ils croient qu'ils savent tout, mais ils en savent tout aussi peu que nous. Nous seuls sommes importants et ils resteront. Nous savons tout, mais ça nous est égal. Occupons nous de notre avenir, plus jamais de passé, avenir, jamais plus épier le passé, jamais plus mettre ses pas dans le passé, jamais plus mettre les couverts, plutôt manger carrément à même l'emballage. Alors pas de vaisselle à faire. Tout devient plus simple. Simplement être là. Simplement être simple. Vous n'y arrivez pas? Être dans le maintenant. Ici tu trouveras ton repos dans le maintenant qui a lieu maintenant comme le dit déjà le nom. Nous avons vécu le temps qu'ils n'ont pas vécu. Eux, c'est carrément tout le temps qu'ils n'ont pas vécu. Leur problème pas le nôtre. Ils n'ont rien à dire, encore moins un public. Là-bas, c'est maintenant nous qui parlons. Partout ailleurs, encore nous. Nous sommes devenus un entourage. Nous sommes notre entourage nous sommes l'appartenance à nous mêmes. Quelle inconvenance de douter de cette appartenance. Et d'autres encore qui ne sont pas nous et pas les autres autres parlent à la télévision pourtant pas avec nous. La télévision comme telle ne nous parle pas. Cette émission ne nous parle pas beaucoup. Avec les étrangers elle ne parle pas non plus. De toute façon ils ne comprendraient rien. Ils ne viennent plus du tout chez nous. Alors qu'on pourrait leur dire précisément quelle partie ils peuvent tirer de nous. Une piste de ski, une plage, un hôtel wellness. Ils peuvent tirer partie de tout ça et encore bien davantage. Nous ne savons certes pas non plus quelle partie nous pouvons tirer de nous, mais il n'empêche, nous savons ce que nous savons. Bien le bonjour, monsieur l'hôte. Vous êtes certes là, mais vous ne pouvez pas être chez nous. Sinon, nous vous verrions tout de même. Vous vouliez peut-être venir chez nous, mais vous avez atterri ailleurs? Où que vous soyez, vous parlez d'un autre temps que nous n'avons plus vécu. Que croit elle donc cette femme? Que croit cet homme? Que croit il? D'où viennent ils tout d'un coup? Suivre des yeux les morts qu'ils ne tarderont pas à être eux mêmes, comme tant d'autres le sont devenus. Morts comme chacun, simplement chacun, enfin bon, c'est pas si simple, morts comme tous. Il s'agirait de prendre la fuite devant nous, ça ne peut pas être une fuite s'ils sont venus avec ça précisément chez nous. Des noyés avec des mains mortes, des brûlés dont les réservoirs ont explosé, des dingues qui, plutôt que de rester sur la route désormais vraiment assez large, ont atterri dans le fleuve, des paumés qui se sont juste paumés et n'ont pas réfléchi aux conséquences, à où ça pouvait les mener, des chefs de sportifs ravalés du mur, voyageurs raclés de l'asphalte dans leur précipitation au but. Même si nous leur rappelons cent fois comment on fait pour longer, ils vont toujours dans le large. Là, il n'y a rien à faire. Au bout du compte, c'est un sport de masse, et lui seul remplit nos chambres et nos lits. Changer les morts de lit? Qu'est ce que vous racontez là? Ils n'ont même pas de tombe. Ce serait pas mal si maintenant ils venaient tous. Maintenant, ils nous manquent. Maintenant ils seraient pour nous les bienvenus mais maintenant c'est trop tard. Il y a toujours un maintenant quand il est trop tard pour quelque chose. Ils ne pourraient même pas visiter leur propre tombe, et dire qu'avec ça nous aurions encore tant d'autres curiosités touristiques à offrir. Mais nous pouvons tout au plus les proposer. C'est à eux de se servir.